Merci de nous recevoir sur New World TV à l'heure de EcoJeunes. 42% des jeunes africains de 15 à 24 ans et 32% des diplômés déclarent vouloir quitter leur pays pour l'Occident selon un sondage effectué par La Croix. Comment comprendre ce désir des jeunes africains de quitter le continent, de quitter donc leur pays respectif pour l'Occident? Nous en parlons sur ce plateau avec Joseph Guéli. Il est spécialiste en communication. Joseph, hein, merci d'être avec nous encore aujourd'hui pour discuter de ce thème consacré à la jeunesse. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir partagé. Alors nous avons également sur ce plateau Valère Dovi Sassou, il est sociologue de formation. Valère, on est encore là aujourd'hui pour continuer par réfléchir autour donc, de ce thème important. Ah, merci surtout pour l'invitation, le plaisir pour moi d'échanger autour de ce sujet assez important. Et pertinent. Notre inspectrice de travail, c'est Elie Aïssou. Elie, merci hein, d'être là hein, sur ce plateau également. Merci à vous également. Je salue tous les spectateurs, téléspectateurs et je salue toutes les femmes. C'est le mois de la femme, donc je salue toutes les femmes. Mars. Le 8 mars. Alors, Joseph, nous commençons cette émission avec cette anecdote. Hein. Il y a de cela quelques semaines où j'ai rencontré certains jeunes à l'université à qui j'ai posé cette question. Est-ce que qu'est-ce que vous pensez du voyage, si vous trouvez l'occasion aujourd'hui de partir en France, aux États-Unis, à l'instant même? Parce que si ces jeunes, c'était des jeunes qui étaient en troisième année, lorsque je les ai rencontrés, et tout ce monde dit, à l'instant même, s'ils trouvent une opportunité, même si c'est à la veille de l'examen, ils vont partir. Et est-ce que tu comprends cela, Joseph? Je comprends parfaitement parce que ça correspond un peu à mon expérience. J'ai pas eu ma licence avant de voyager. Donc ce qui veut dire voyager n'a rien de mal. Il faudrait se poser les bonnes questions. C'est pourquoi je voyage et qu'est-ce que je vais aller faire. Je pense que c'est là où nous pourrions mener la base de la réflexion. Sinon, voyager pour aller découvrir ce qui se fait ailleurs, voyager pour aller renforcer ses capacités, voyager pour aller se redécouvrir, c'est tout à fait une bonne chose. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis plusieurs fort longtemps. Il y a beaucoup de peuples qui se déplacent. Vous êtes d'accord avec moi que beaucoup de peuples togolais, africains, ne sont pas vraiment originaires de leur territoire actuel en fait. Par exemple, si on prend les évêques, naturellement, on a quitté Nigeria pour arriver au Togo. Donc, ce qui veut dire que dans la cour normale des choses, les hommes ont toujours l'habitude de se déplacer, de voyager. Voilà. Alors, on y reviendra certainement, Valère. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de penser quitter le pays, de voyager, de partir pour aller se chercher ailleurs? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé? Honnêtement, oui. Okay. Honnêtement, oui. Surtout après ma licence. J'ai eu ma licence en 2015. Okay. En sciences sociologie à l'université de Lomé. Et juste après, j'ai eu du mal à trouver du travail au pays. Donc j'ai fait tellement de démarches sans suite. Alors j'ai pensé tout de suite à pour des dossiers par ici, par là, aucun stages, tout ce qui va avec, aucun retour. Wow. Sur 2 ans. Et là je commence vraiment pas me poser des questions fondamentales. Parce que une licence, ça veut dire c'est plus de 16 ans d'études. Quand tu finis de faire 16 ans d'études et tu n'as pas de quoi, en plus de 2 ans de recherche, ça fait 18 ans. Avec l'âge qui passe, arrivé un moment, on réfléchit et on met vraiment cas sur table, on prend des décisions assez judicieuses pour sa vie. Et pour dire en un seul mot, oui, ça m'a frôlé l'idée de tenter. J'ai quand même essayé, il faut le dire aussi. Alors, Elie, après la Deuxième Guerre mondiale, on a dit que l'Afrique a perdu de ses hommes valides. Mais aujourd'hui, quand on te parle des chiffres, hein, comme 42% des jeunes africains, entre 15 à 24 ans, qui veulent quitter le pays, qui veulent quitter le continent, autant pour moi. Et beaucoup aujourd'hui qui veulent également quitter leur pays pour aller en Occident avec tout leur savoir, leur intelligence. Et comment est-ce que tu comprends ça? Est-ce que finalement c'est une tragédie pour le continent? Carrément. Et ce qui se passe, avant, lors de l'esclavage, on payait nos grands-pères, nos grands-pères, tout ça. Et c'était triste pour nous. Maintenant, c'est nous-mêmes qui allons.
gratuitement. Et nous nous offrons. On paie encore, on paie de grosses sommes. Mais juste qu'on ne nous force pas. Avant, on nous forçait pour y aller. Maintenant, c'est volontairement. On veut y aller. Et les gens sont prêts à donner, à sacrifier leur vie pour y aller. Et voilà. Et regardez un peu les moyens qu'on emprunte maintenant pour y aller. Vraiment, c'est déplorable pour l'Afrique. C'est déplorable pour l'Afrique. Surtout, je fais juste un constat. Et aussi parmi mes amis maintenant, si je prends au moins sur 10, 5 des gens sont partis. Et vraiment, et imaginez un peu. Et voilà, alors que c'est nous qui sommes les bras valides de notre pays. De notre pays et du continent. Alors avant de revenir à Joseph, Valère, est-ce que ça te choque quand tu vois des jeunes qui te disent tout pour partir? Tu allais, ma bon monde quoi, ma tolé, mais c'est l'expression. Hein? Et Douamela. Et puis quand on voit ceux de l'extérieur, ceux qui sont arrivés de l'autre côté avec des selfies sur les réseaux sociaux, on est en train de se dire que ben, je suis en train de mourir à petit feu en restant pays. Est-ce que quand même ça te choque de voir aujourd'hui plusieurs de ces jeunes qui veulent quitter le pays carrément? Et ça me choque, je ne dirais pas, parce que toute personne a envie d'aller loin, toute personne a envie de belles choses. Donc quand, comme tu l'as déjà dit, les amis qui reviennent, déjà les photos que nous voyons, c'est qu'on a envie d'y aller aussi. Parce qu'on se dit, voilà, là-bas c'est beau, voilà, il y a du travail. Et aussi, il y a un facteur qui est très important, c'est l'argent. Quand vous prenez un dollar, vous prenez 1 euro, c'est à plus de 650 CFA. Donc la différence en termes d'argent, de frais, de francs, déjà en francs CFA. En francs CFA. Exactement. Ça fait que avec 1000 dollars, 1000 euros, tu peux faire accomplir beaucoup de choses ici. Ça fait que beaucoup de personnes, voilà, qui voyagent 2 ans, 3 ans, 5 ans, qui reviennent construire, qui sont dans des belles voitures, quel jeune n'a pas envie de tout ceci. Donc ça fait que tellement beaucoup de personnes aussi veulent aller. Quand vous prenez peut-être, voilà, au Togo, on aime vraiment aller à l'école, vous prenez un jeune, peut-être un camarade, ou même au cours de votre cursus, tu es même brillant que ce camarade, et tu le vois aujourd'hui, il n'y a même pas de comparaison, où ce camarade est très à l'aise, qui revient des États-Unis, du Canada, de la France, ça te fait un petit dans la tête, et tu te dis, voilà, si lui, il a pu accomplir ces choses-là en si peu de temps, pourquoi moi, je suis en train de, voilà, de perdre mon temps ici? Et il faut le dire, la souffrance, ça fait très mal. La souffrance, ça écœure. Surtout qu'on a passé beaucoup de temps à étudier, surtout dans notre système, voilà, on est beaucoup plus préparé, voilà, à avoir son diplôme et puis travailler dans une administration, mais trouver du travail. Ça fait que beaucoup de personnes se sont concentrées, voilà, pour véritablement être excellent sur le banc d'école et trouver mieux ailleurs. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus vraiment la réalité. Et voilà, voyager, ça devient, voilà, un raccourci. Peut-être pas la loterie Visa, Campus France, etc., qui sont aujourd'hui des plateformes, il y a des canevas qui permettent aux jeunes de voyager. Donc, ça traverse l'esprit des jeunes de voyager et je ne suis pas choqué. Alors, en fait. Joseph, lorsque aujourd'hui on vend aux jeunes qui a l'opportunité, peut-être que c'est grâce à une bourse d'études de 2 ans, de 3 ans, qu'il a pu voyager sur l'extérieur et tout, et qu'après ces 2 ans-là, il est censé revenir au pays. Et bon, pour les parents, même jusqu'aux parents, on se dit, ben, après ces 2 ans, trouve un moyen pour rester, pour ne pas venir. Et j'ai bien envie que tu nous parles, je sais, hein, que tu as quand même une expérience de voyage à l'extérieur. Lorsque tu devrais revenir au pays, quand tu as choisi de revenir au pays, est-ce que quelque part tu penses que ça a été un coup dur pour les parents, pour les amis, au point où les amis peuvent te dire, mais Joseph, excuse-moi l'expression, hein, tu as fou de revenir dans ce pays avec tout ce qui se passe? Comment ça a été? Je vais te choquer juste. Hier, quelqu'un m'a dit que c'était une erreur que tu as encore fait. Waouh! Le fait que tu es revenu à Lomé, parce que lui, dans sa tête, je devais repartir depuis fort longtemps. Juste hier nuit. Pour lui, c'est même impossible. C'est pas concevable que tu ça fait aies l'opportunité heures, de voilà, partir et de revenir. Ça fait 24 heures parce qu'on s'est rencontrés, on discutait et puis ça parlait encore des problèmes du pays. Et à la fin, c'est ce qu'il m'a dit, que pour toi, je pense toujours que c'est une erreur de revenir dans ce pays. Donc naturellement, ce n'est pas parce que... Comment est-ce que tu peux l'expliquer que quelqu'un puisse dire que revenir dans son propre pays, c'est une erreur? Comment est-ce
Est-ce que tu l'expliques? Dites-nous. C'est à cause de plusieurs facteurs. Comme la pauvreté, l'insécurité, une meilleure condition de vie. Puisque, tu sais, si on prend deux jeunes togolais de même âge, un qui vit ici et l'autre qui vit à l'extérieur. Le premier qui vit au Togo et l'autre qui vit à l'extérieur. La différence est nette en fait. Tu vas voir que le jeune qui est à l'extérieur arrive à satisfaire les besoins primaires. Par exemple, je te donne juste mon exemple. J'étais juste dans un programme de volontariat en Allemagne. Mais ce que je recevais comme allocation pour pouvoir subvenir à mes besoins dans le pays d'accueil que j'étais, me permettait aussi d'une manière ou d'une autre d'assouvir certains besoins par rapport, parce qu'il y a le facteur argent, comme Valère l'a dit, qu'on prend l'euro et qu'on convertit en francs CFA, c'est beaucoup en fait. Donc ce qui veut dire que ici on a on a des monnaies en Afrique qui ne sont pas compétitives sur le marché des affaires, du business. Tu comprends un peu ce que je dis? Donc ça fait que quand tu pars pour une mission ou bien tu pars pour aller étudier et qu'il est l'heure ou bien il est temps de rentrer, les parents sont sceptiques parce que les parents n'ont pas envie que tu reviennes et que tu peut-être tu à la limite du malheur, tu sois encore sous leur responsabilité. tu sois encore sous leur responsabilité. Parce que imagine que peut-être tu es là-bas, chaque fin du mois, tu envoies quelque chose. Et qui permettent, qui allègue un peu, allège les responsabilités pour tes parents. Donc tu vas encore revenir, alors que sachant très bien qu'en étant ici, peut-être tu n'auras pas les mêmes chances, les mêmes capacités de pouvoir vraiment s'occuper de intention un peu de certains besoins comme les fractures d'électricité, d'eau par exemple. Donc du coup, c'est ça qui fait que quand tu es à l'extérieur et que c'est pour une raison bien définie, les parents te mettent la pression de ne plus revenir. Souvent, ce qu'on te dit, c'est trouve une femme. Si tu es un homme, si tu es une femme, on te dit de trouver un homme là. tu l'aimes pas. Toi, l'essentiel, tu l'aimes, tu l'aimes pas. L'essentiel, c'est de te mettre en couple avec. Te mettre à l'abri de la misère. De la misère. Et tu construis voilà, une avec cette femme-là. Une personne de ton pays d'accueil. Super. Alors, Élie, est-ce que quelque part tu trouves en cela un danger? Un grand danger ou carrément une paresse aujourd'hui quand on te dit tous les jeunes ou bien plusieurs jeunes, même tu vas voir la personne en première année, il suffit que ça commence par ne pas marcher, tout ce à quoi la personne pense, c'est partir, c'est voyager, peu importe s'il faut passer par la mer, passer combien de jours, plusieurs qui par vont le désert comme Ganou, oui, par le désert, jouer à plusieurs reprises, l'autorité visa, Dieu seul sait combien de personnes se prêtent au jeu de l'autorité visa chaque année. Et est-ce que finalement c'est un danger? Est-ce que c'est une preuve de paresse pour les jeunes du continent? Comment est-ce que toi tu peux l'expliquer? Je n'appellerai pas ça paresse. Non, je n'appellerai pas ça paresse. Déjà, on veut voir les choses changer et chacun aspire à un avenir meilleur. Mais est-ce qu'on ne peut pas construire cet avenir ici? Justement, est-ce qu'on ne peut pas réussir au pays? On peut le faire ici. Mais maestro, disons la vérité. Si c'était que mon petit frère a l'habitude de dire, dans les conditions normales de température et de pression, on ne serait pas ici. Maestro, le temps, l'année où moi j'ai eu mon bac, avec toute mon intelligence et mes capacités. On était dans les conditions normales de température et de pression. Comme mon petit frère a l'habitude de le dire, on ne serait pas là. Mais tu es inspecteur de travail. Tu es inspecteur de travail. Le fait est qu'on c'est la résilience. Tu es inspecteur de travail. Et si tout le monde allait partir. Justement, c'est cette résilience-là qui nous manque. Okay. Mais, maestro, j'ai eu mon bac en 2010. Très jeune. Très jeune, je ne veux pas parler de l'âge ici. Et puis en ce moment, c'est que tout était réuni. Une petite bourse par ici pour me propulser. Maestro,
actuellement, au moins, un petit doctorat fera l'affaire. Parce que 2010, 2020, 24, c'est beaucoup. 2010, 2024. 14 ans. Donc, 14 ans. 14 ans avant de trouver un travail. C'est l'année passée que j'ai été nommée inspecteur du travail. Vous voyez un peu. Waouh. Est-ce qu'on peut dire que c'est 14 ans de gâchis ou bien c'est 14 ans d'expérience? Je ne veux pas appeler ça expérience, ça je ne le souhaite à personne. Le fait de déposer des dossiers par ici, faire des concours par là, maître, des fois c'est fatigant. Et c'est vraiment fatigant. Et si tu n'as pas ce courage-là, franchement tu vas craquer. Moi je soutiens les gens qui partent. Si c'est la meilleure solution et que tu as quelque chose de sûr que tu iras faire là-bas, tu peux partir. Mais s'il n'y a rien dessus et c'est aller encore déambuler dans les rues de l'Europe pour ne rien faire, là, restons et continuons la résilience pour que ça puisse marcher. Super. Alors, et comme Elie, Valère, les gens disent l'essentiel, c'est que Magbejopo. L'essentiel, c'est de quitter. Et beaucoup peuvent aller jusqu'à te dire, ceux qui sont partis là, ils n'avaient pas de projet, aucun projet, mais l'essentiel, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé quelque chose à faire. Est-ce que tu trouves quand même que cette manière de penser les choses est erronée et qu'on peut également réussir ici? Bien sûr, on peut également réussir. Et les exemples sont là, devant les preuves sont là, on voit tous les jours. Et il faut aussi, voilà, je ne vais pas me mettre dans cette optique qui dit en fait que pour réussir, il faut voyager. Je pense que c'est très dangereux. Et nous courons, j'imagine un peu l'Afrique dans 10 ans, dans 20 ans, avec cette mentalité où tous les jeunes veulent partir. Et même l'économie africaine. Voilà, vous pensez que les étrangers ne viennent pas construire un pays, et ne vont pas construire le pays à notre place, non. Ils vont venir faire des affaires, partir avec nos capitaux et développer encore le pays. Et nous serons encore derrière. Donc, je pense que dans certains cas, les jeunes sont appelés à voyager, voilà, pour des spécialités qui ne sont pas ici. Tu veux continuer dans une spécialité et c'est peut-être cette spécialité beaucoup plus développée en France. Pourquoi ne pas entreprendre un voyage? Là, ça c'est bien. Mais décider d'un voyage automatique, c'est-à-dire se mettre dans la tête que si je dois réussir ma vie, je dois voyager. Je pense que c'est un frein et c'est un danger qui mine en fait nos pays. Ça fait que on ne se rend pas compte vraiment des trésors locaux. Ce qui fait que nous, là où on se dit, voilà, il n'y a pas d'opportunité au Togo, on veut voyager. Il y a des Nigériens, je parle du Niger, des Nigériens qui arrivent tous les jours, le bon Dieu fait, qui arrivent parce que. Les Nigériens également, les Ghanéens, voilà. Chez nous et vice-versa. Oui, je parle du Niger parce que j'ai fait un peu le Niger. Ça fait que je connais un peu leur réalité. Ça fait que beaucoup de Nigériens viennent ici. Et leurs amis sont ici qui les appellent. Mon frère, viens à Lomé. Il y a de l'argent, il y a le bonheur ici. Et ils viennent tout le temps. Donc ça veut dire que, à quelque part, nous les Togolais aussi, nous ne savons pas apprécier les opportunités locales. Ça fait que on fait fi de tout ça et on pense que réussir, c'est parti. Et c'est vraiment une grave erreur. En tant que jeune, on ne va pas tout le temps se projeter vraiment vers le voyage. Il faut se demander, qu'est-ce que, avec mon diplôme, avec mes expériences, qu'est-ce que je peux faire? Elie parlait tout d'abord de ses expériences. Moi, je ne dirais pas que c'est du gâchis. Il y a, quand tu vois les 14 ans d'expérience de recherche, il y a quand même des choses assez... Ce n'est pas facile, je reconnais. Même voyager à l'Occident, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, je suivais... On a l'impression que c'était facile. Ce n'est pas facile. Je suivais... Si vous voyez le prix que les gens paient pour aller de l'autre côté, c'est macabre, c'est pitoyable. Aujourd'hui, je suivais un gars qui témoignait. Il a dit que sur 1000 personnes, c'est à peine 50 personnes qui atteignent. Les gens passent par la Tunisie, la Libye, dans des conditions exécrables, dans des conditions que vous ne pouvez jamais imaginer. Les gens voient leurs amis mourir comme ça. Il y a le frère qui donnait, la personne qui partageait le témoignage, dit qu'un frère, ils sont deux. Il voyait son ami et son frère direct mourir, mais il n'a pas le choix que de le laisser partir. Parce que le guide est en train de partir. Donc il est obligé de suivre parce qu'ils sont dans le désert. Et quand tu rates la trace du guide, c'est que la mort est inévitable. Tu vois, les gens sont prêts à passer par tous les moyens qui frôlent même la mort pour pouvoir aller à l'Occident. Je pense qu'arrivé à un moment, il faut qu'on se dise la vérité. On peut réussir ici au Togo, on peut réussir en Afrique et c'est très important. Il faut qu'on se mette cela dans la tête. C'est très important. C'est très, très important. Sinon, on risque vraiment de passer à côté
et de pouvoir attendre. Tout le monde ne peut pas voyager, soyons honnêtes. Tout le monde ne peut pas voyager, soyons clairs là-dessus. D'autres personnes ont leurs opportunités ici et quand ils travaillent, on le dit, c'est parce que les mêmes personnes ici qui ne veulent pas faire certains travaux. De l'autre côté, oui, il faut aussi le dire. On ne veut pas faire certaines choses parce qu'on se dit, voilà, la honte, voilà, avec mon diplôme, je ne veux pas faire des travaux de seconde zone. Laver la vaisselle, par exemple. Laver la vaisselle, voilà, tout ça là. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas le faire. Mais là-bas, ils le font. On voit beaucoup de personnes qui, dans les hôtels et tout, qui lavent des plats et tout ça. Exact. Ils sont prêts. Il y a tellement de choses que ils les gens sont prêts. Faire. Ils sont mais prêts. Peut-être ici, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. De l'autre côté, c'est aussi payant. Très par payant. Rapport à ce, très par, payant par rapport à par exemple, un banquier même qui travaille dans l'administration, qui travaille dans une entreprise bancaire au pays. Oui, c'est payant, surtout quand on compare la devise ici. Quand on le prend de l'autre côté aussi, c'est parce que là-bas aussi, avec leur salaire, ils n'arrivent pas à faire grand-chose. Hein. Mm-hmm. C'est seulement quand ils convertissent l'argent en franc CFA que l'écart se fait vraiment remarquer. Super. Sinon, là-bas aussi, donc, ils ont vraiment des difficultés avec leur niveau de vie. Là, il faut se le dire. Alors, Joseph, est-ce que quelque part, en suivant un tout petit peu le raisonnement de Valère, on peut dire que quelque part, le voyager, partir à l'aventure, peut aussi déshumaniser une personne? Bien sûr. Parce que là, c'est carrément d'autres cultures, c'est carrément d'autres réalités. En fait, je te donne un exemple clair. Tu sais, il y a un Ivoirien qui était sur un plateau d'une émission sur Michenfa, ici au Togo, qui a dit il faudrait que chaque Africain vive dans son pays comme s'il était étranger. Les gens n'ont pas compris. Les gens l'ont vilipendé, tout ce qui va avec. Yes. Mais l'exemple est là, et c'est clair, quand tu es à l'étranger, tu es obligé de multiplier plusieurs fonctions. Okay. Tu es obligé de travailler peut-être de 4 heures à 23 heures. Dis-moi combien nous, Togolais, travaillons de 4 heures à 23 heures au Togo. Combien de sources de revenus nous multiplions? C'est ça aussi. On se contacte juste d'un seul travail. Alors qu'en Europe, tu ne peux pas te contacter d'un seul travail. Et tu es obligé de faire. Soir, tu dors. Voilà. Et c'est ça qui va faire que, regarde, il y a l'opportunité qui est là. Partout, tu vas développer forcément le courage, la résilience. Par exemple, hier, je faisais la réflexion. Je me suis dit, ben, attendons, nous crions sur l'État, mais il y a aussi notre part de responsabilité. Aujourd'hui, les hôtels sont partout à Lomé. Est-ce que moi, je organise mon emploi du temps et je me dis, peut-être de 4 heures à 5 heures, je peux aller faire un job de nettoyage. Par contre, quand tu vas en Europe, tu vas aller faire ça en Europe. Clairement. Tu vas aller laver tu vas faire la vaisselle, tu vas laver les assiettes. Et aujourd'hui, je félicite énormément un Togolais qui, aujourd'hui, lui, il a pris la responsabilité de démystifier un peu. Je ne veux pas citer le nom, mais il est au Canada et il travaille. C'est une manière aussi de Raoul Leblanc. Ok. Oui. Il est au Canada. Je pense qu'il travaille dans un restaurant, mais il est cuisinier. Il fait un direct. Ok. Parfois, quand il fait la vaisselle, il n'a pas. Justement, c'est ce que nos grands frères, c'est beaucoup de personnes sont revenues au Togo qui vivent en Europe. Ils reviennent avec le bling bling. On a l'impression que c'est le paradis, on vend du rêve. L'Eldorado nous a été vendu. Le monsieur, il vient, il loue une voiture bien parfumée et tout. Avec des filles, les filles qui courent après lui à longueur de journée. Et croyant c'est le Jésus qui est de retour. C'est les prêts. D'abord, tu reviens en Afrique. Peut-être, tu as prévu peut-être un budget de 1 million pour un séjour de 15 jours. Je te dis, les 15 jours, ça ne va pas suffire. Tu es obligé, tu vas faire beaucoup de prêts. À retourner en Europe, tu vas aller travailler pour, voilà, compléter ou bien pour donner de l'argent par rapport aux prêts que tu as fait. Il y a certains qui arrivent, qui consultent, c'est sous-prêt en fait. Parce que là-bas, il y a une société qui te permet pas forcément d'avoir de l'argent pour faire ce que tu as envie de faire. Par exemple, aujourd'hui, si j'ai envie de payer, de m'offrir un iPhone 15, même si je n'ai pas les moyens, je peux payer et à la fin du mois, on prélève quelque chose dans mes revenus en fait. Tu comprends? C'est vraiment un système qui n'est pas encore très développé ici chez nous en Afrique. Donc du coup, c'est ça aussi. Il faut carrément un changement de mentalité. Il y a aujourd'hui des champions locaux qui nous montrent la voie. Aujourd'hui, je peux citer fièrement le DG Edolé qui aujourd'hui a réussi à implanter une agence
de son entreprise, d'une start-up et d'Ole Africa en Côte d'Ivoire. Okay. Je pense que c'est un très bon exemple. Mm-hmm. Il y a beaucoup, comme l'invité que nous allons recevoir dans quelques instants, mm-hmm. qui est une dame très... très inspirante en fait. Il y a aujourd'hui les modèles. Mm-hmm. Il y a aujourd'hui les modèles. Avant, il n'y avait pas les modèles. Mm. Avant, il n'y avait pas les modèles. Et je pense aussi que aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, okay. des réseaux sociaux, on peut se créer énormément des opportunités. Mm. Aujourd'hui, un jeune qui va forcément dire que je dois voyager pour réussir ma vie, oui, il a peut-être raison. Mm-hmm. Et d'autre part ailleurs, il y a aussi un manque d'information. Mmh. Alors, Élie, on va retourner un peu en arrière et prendre nos propres expériences. Lorsque tu vois tes amis partir, mmh. trois partir, quelle est d'abord l'appréhension des parents? Qu'est-ce que les parents, l'entourage dit? Qu'est-ce que toi-même tu te dis à toi-même durant tout ce temps de traversée, il faut le dire, de traversée de désert, 14 ans? Où tu étais en train de te chercher, comment est-ce que tu as passé ce moment et avec quel mindset tu es arrivé à tenir fort pour aujourd'hui enfin te dire que bah oui, c'est quelque difficile, mais je suis quand même arrivé. Je suis arrivé, pour le moment, je ne suis pas encore arrivé. C'est une manière de parler quand même. Je suis la route, mais maestro. Tu as fait une étape. C'est pas facile, 14 ans. Et puis le problème est que parmi tout ce monde-là, tu étais la première personne, au fait, à sortir la tête de l'eau, c'est-à-dire à voir, je peux dire, dans ma localité, j'étais la première, et puis l'enfant qui a eu son bac premièrement. Mm-hmm. Et puis je suis là, faute de moyens, je vois telle année, deux ans après, celui-ci a son bac, son père l'envoie en Amérique, celui-ci a son père l'envoie en France, tout ça. Mais des fois, ça fait pleurer sans vous mentir. Ça fait pleurer. Et tu vois ta maman. Elle ne dit rien, mais. Elle souffre. C'est-à-dire, tu vois le visage de la dame. Tu sais que elle veut vous voir réussir, mais comment? Et elle se dit, et tchang gamin no si ma dorora yo vode a de kounyan anouade, ni galasi ni ma dorora yo vode a, la on tolo no il vode a lo. Mais par quel moyen on va y arriver comment? Mais sans vous mentir, ça fait pleurer. Des fois, tu rentres dans ta chambre, tu vois tes diplômes, tu vois tout ça, tu te dis, je sers à quoi au fait? Et le temps passe, je sers à quoi? On nous a parlé maintenant des gens, des mentors et tout ça et tout ça. Maestro, c'est pas facile hein, de tout au Togo d'approcher quelqu'un et qui veut vraiment te faire du bien. Ce sont mes quelqu'un qui veut vraiment te faire du bien. Sans intérêt. Notamment si tu es une fille. Hein. Et te propulser de l'avant. Moi, je dis Dieu merci de vous avoir rencontré sur ma route. Pour faire ce que certaines des choses que je veux faire, que je fais actuellement. Et vous ne m'avez rien demandé en retour. Tous les jours de ma vie, moi, je bénis la, et je prie Dieu et je prie Dieu pour vos vies, celui de Valais, celle de Valais et de Joseph. Vous êtes vraiment... C'est très rare de telles personnes. Parce que maintenant, tout ce qu'on veut te faire, c'est en contrepartie de quelque chose. Et ce quelque chose-là que tu n'as pas à donner. Mais on va te dire, tu as quelque chose à donner. On va te demander... Et ce quelque chose-là que tu n'as pas à donner. Tu as quand même encore, tu as une force. C'est ce qu'on te demande, en fait. On veut faire quelque chose pour notre pays. Ouais. On veut vraiment faire quelque chose pour notre pays. Et je connais des gens, il y a une amie qui est actuellement quelque part, elle me dit, je veux rentrer. Parce que on aime vraiment notre patrie. Ça, c'est clair. Tout le monde, personne ne veut partir, au fait. Si ce n'est pas... Des contraintes. Et nous, ouais, mais franchement, mais si vous voyez la vie de certaines personnes et elles ont l'opportunité de partir, moi je dis, ces gens de personnes, moi je remercie Dieu, je leur dis félicitations. Allez-y, cherchez-vous. Dès que vous trouverez une petite opportunité ou une occasion, vous pouvez revenir. On va construire notre pays. Mais là, dans ces conditions-là, on ne peut rien faire. On veut faire quelque chose, mais on ne peut rien faire. Mais sur 14 ans, c'était pas facile, sans vous mentir, c'était pas vraiment facile. C'est tellement émouvant hein, de suivre l'intervention donc, de ces jeunes sur ce plateau et pas les moindres également qui ont fait quand même un parcours exceptionnel. Aujourd'hui, chacun dans son domaine essaie quand même de donner le meilleur de lui-même à forcément quelque chose, mais continue toujours par se chercher, continue toujours par se poser des questions. Et pour ceux qui sont encore derrière et qui sont là à se chercher, on se dit jusqu'à quand? Est-ce qu'il faut voyager? Est-ce qu'il faut rester au pays? Que faire exactement nous qui n'avons forcément personne ou des moyens?
moyens pour pouvoir voyager. Mais que faut-il faire également? Alors, Joseph, avant de revenir à Valère, j'aimerais te poser une question propre à toi. Finalement, qu'est-ce qui a créé le déclic? Pourquoi tu es finalement rentré? Est-ce que c'est l'amour pour la patrie? Est-ce que finalement tu t'es dit que c'est une erreur de jeunesse? Ou tu t'es dit que c'est la meilleure décision à prendre? Tu sais, les parents peut-être sont là en train de suivre cette émission. Alors allons-y rapidement. On va pas se leurrer. Jusqu'à présent, il arrive des fois où je traverse certaines situations. Je me pose toujours cette question, si réellement c'était une bonne chose, cette décision-là de revenir en Afrique. Mais je pourrais dire d'abord, j'étais dans un programme où je devais forcément revenir. Oui. Question d'intégrité. Question d'intégrité. Et la condition dans laquelle j'étais parti, j'ai le libre choix de fuir, de partir, de faire tout ce que j'ai envie de faire, mais parfois aussi on ne force pas le destin. Il faut faire les choses de façon naturelle. Tu comprends? Et de façon juste. De façon juste et naturelle. Je vais le dire ça comme ça. De deux, il y avait ce rêve d'accomplir quelque chose dans mon pays. Okay. Je savais que ça n'allait pas être difficile. Mais tu sais, ce qui était le bon côté de la chose, que quand j'étais parti, j'ai quand même l'occasion de côtoyer un certain nombre de personnes, parce que j'étais comme insignifiant. C'était en 2017-2018, j'étais personne, mais une fois que j'étais parti, il a fallu juste que je poste ma photo sur les réseaux sociaux. Moi qui n'ai jamais eu 10 likes, j'étais allé à 100. Et Wow, tout le monde était allé. Et là, Joseph, 100, lui, il est sauvé. 100 likes. Regarde, il est à l'abri du monde. Voilà, 100 likes, 300 dons. Ce qui veut dire que il y a ce côté biblique de la chose. Il y a ce côté beau de la chose que nous tous, nous rêvons. Mais il y a... Pour revenir à la question de façon très précise dans ma réponse, il y a deux choses. L'obligation de revenir pour honorer mon engagement. Et de deux, j'avais vraiment une passion de venir construire. Et sur ça, jusqu'à présent, je ne regrette pas. Parce que tout ce que j'ai fait de 2019, que j'étais rentré, à 2024, c'est énorme. Et si aujourd'hui, l'opportunité... mes choix de repartir, je pense que je repartirai en toute fierté. Parce que j'ai essayé, j'ai fait ce que je pouvais faire. Alors Valère, l'autre question qu'on ne se pose pas également, nous tendons véritablement vers la fin de cette émission, mais l'autre question qu'on ne se pose pas également, c'est que, alors, si nous voulons aller en Occident, nous voulons aller aux États-Unis, nous voulons aller à Paris, nous voulons aller, je ne sais pas, au Canada et tout ce qui va avec, c'est parce qu'on estime que ces pays peuvent nous apporter quelque chose. Si ces pays ont atteint un niveau de développement. Mais on ne pose pas souvent la question de savoir à quand le développement de notre continent, le développement de notre pays, et quelle devrait être ma responsabilité dans la construction de ce rêve-là, de ce pays, pour que mes enfants et mes petits-enfants ne soient pas demain aussi des esclaves, des ouvriers, de toutes ces personnes-là qui sont de l'autre côté. Je pense que c'est aussi une question à se poser. Je crois que c'est une question très pertinente et légitime, parce que souvent ça m'arrive même à moi-même de poser ces questions-là, surtout quand je vois des personnes poster fièrement des photos devant, voilà, la Tour Eiffel, d'autres endroits stratégiques des pays. Je me demande quand est-ce que, voilà, notre pays aussi sera ainsi, et on pouvait être vraiment fier de notre pays. J'ai regardé quelques images l'autre fois, Dubaï en 1990 et Dubaï aujourd'hui. Je me suis dit, c'est des hommes qui ont travaillé. Si on a fait sous d'autres cieux, on a aussi la capacité de le faire. Je pense que tout est une question de vision, de travail acharné, de détermination, de stratégie. Il est très important, parce que construire un pays, ça vient des citoyens. Ça, c'est les citoyens qui bâtissent. Et il faut aussi que ces citoyens-là soient, voilà, embarqués dans un programme très intéressant. Ça, je veux parler au niveau du gouvernemental. Il faut que la vision vienne d'abord de nos premiers responsables. Il faut qu'il y ait une vision, voilà, une vision, une volonté, j'allais même dire, manifeste de nos dirigeants, voilà, de pouvoir réaliser ces genres de choses. Et nous, les citoyens, logiquement, on va accompagner. Parce que il faut se dire la vérité.
on est tellement fier quand c'est notre chose en fait. C'est vraiment peu apprécier les choses d'autrui, mais c'est plus touchant, c'est plus agréable si on peut se dire que voilà, c'est notre chose. Donc je crois que on doit vraiment s'inscrire dans cette logique. Par rapport à l'intervention de Valère, l'exemple du Nigeria, c'était récemment, j'ai lu sur Facebook que à un moment donné, les Nigérians ont pris leur destin en main. Beaucoup de jeunes n'attendaient plus de l'État. Chacun s'investissait à lui-même et dans ce qu'il peut faire comme projet. Et c'est à un moment donné que l'État a compris que il a l'obligation d'accompagner cette jeunesse. Et l'État a mis les moyens. Le Nigeria est là où il est. Alors, quelque part, est-ce qu'on peut dire que la jeunesse, nous avons une grande responsabilité aujourd'hui, et l'essentiel n'est pas forcément de vouloir partir, mais on peut réussir aussi ici, c'est bien ça? On peut réussir ici. Et on doit réussir ici. Et les preuves sont là, les gens ont réussi. Et on peut le faire. On a les moyens. Vous savez quoi, la dernière fois, j'ai fait des réflexions. Je me suis dit, pourquoi on ne peut pas faire construire notre pays de manière à ce qu'on travaille souvent dans la fonction publique, c'est de 7h à 17h30. Mais qu'est-ce qui m'est venu? Si on faisait une journée continue, et c'est la plupart du temps, c'est comme ça. Si on faisait une journée continue, et les gens qui viennent de 7h, on termine à 14h. Et les gens viennent comme relève de 14h à 22h. Encore une autre, relève de 22h à 6h du matin. Et c'est comme s'il y a le service en continu. Vous imaginez un peu, c'est dans tous les secteurs. Vous imaginez un peu. J'ai appelé mon frère, de l'autre côté, il m'a dit, ça se fait ici, chez eux. La banque qui ne ferme pas. Ça va créer de l'emploi. Le pays sera... Voilà. Ça m'a tellement plu. Même si c'est difficile, on doit arriver là-bas. Nous autres, moi, je suis du genre, j'aime travailler la nuit. Et nous, on nous confie la nuit. Nous, les gens qui aiment bosser la nuit, on nous confie la nuit. On est là de 22h à 6h du matin. D'autres qui prennent la relève. Et puis, il y aura tellement à faire et tellement de choses à faire que tout le monde va travailler. Et vous imaginez le Togo, on met ça sur place dans 10 ans. Waouh, quoi. J'étais là, je dis, on peut faire ça, mais qu'est-ce qui nous manque? Il y a déjà des services. Alors employons des gens et restructurons les choses. On va te dire, est-ce que le pays a forcément les moyens pour les moyens pour personnes? Voilà, alors que c'est celle-là qui va créer de l'emploi. Et l'emploi qui est créé, l'argent vient. Prenons un exemple, c'est très simple. Je veux un habit. J'ai une conférence à animer demain, alors que je vois que dans ma garde-robe, il n'y a rien de potable à porter. Et voilà qu'ils sont 18h, les ateliers de couture qui ferment. Et c'est fini. Donc je n'ai plus droit. Alors qu'il y a un atelier qui est ouvert permanemment de 18h à 6h du matin. Je vais là-bas, je procure. C'est de l'argent qui est venu. Et ce n'est pas le seul exemple. Il y a plein. Je veux manger. Il y a un restaurant et des restaurants qui sont ouverts 24 heures sur 24. Mais on peut manger à toute heure. Ça mouvoir le pays. Moi, je me dis, s'ils peuvent me trouver un coin de réflexion où je peux émettre. Et ça, je vais le dire clairement. Justement, Élie, nous tendons vers la fin de cette émission, mais on va faire un exercice qu'on a l'habitude de faire dans cette émission en tant que jeune inspecteur du travail. Nous allons vous adresser en une minute. Votre caméra est là, vous allez regarder tout droit dans votre caméra. Vous vous adressez à votre ministre en charge du travail. Je veux nommer au passage ici le ministre Gilbert Barra. Quelles sont vos attentes en tant que jeune pour le développement, pour la transformation de notre pays? Vous avez juste une minute. Regardez dans votre caméra et parlez. Monsieur Gilbert Barra, vous êtes le ministre en charge de la fonction publique et du travail au Togo. J'aimerais, comme je venais juste de le dire, qu'on puisse organiser les services dans notre pays de telle enseigne qu'on travaille continuellement, des journées continues, et on puisse travailler la nuit aussi pour pouvoir créer plus d'emplois et plus d'opportunités à tous les jeunes. C'est possible de le faire, on peut y arriver. Il suffit juste de créer un petit comité et pour cette réflexion, on va y arriver dans 5 ans, dans 10 ans. Vous allez voir carrément la différence. Merci.
Joseph, oui. On va faire cet exercice également avec toi. Vous allez regarder dans votre caméra et vous adresser au ministre en charge de la jeunesse. Je veux nommer sur ce plateau Madame Myriam Dossou. Quelle est votre attente? Que peut-on faire aujourd'hui pour retenir les jeunes, pour la plupart, qui voyagent parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il n'y a pas d'opportunité, parce qu'il n'y a pas d'emploi au pays? Quel serait ton mot, ta contribution, tes suggestions pour Madame le ministre chargé de l'emploi, chargé de la jeunesse au Togo? D'abord, honnêtement, je la remercie pour tout ce qu'elle fait. Je pense que dans tout un pays, tout ce qui est relatif à la jeunesse, c'est un gros chantier. Ça, c'est clair. Donc, d'abord, je les encourage à faire encore mieux. Mais on a aujourd'hui besoin d'une jeunesse très dynamique. Et une jeunesse dynamique, c'est une jeunesse qui est accompagnée. La jeunesse a besoin d'être accompagnée, orienté. Parce qu'à un moment donné, chaque jeune dans sa cursus se sent un peu désorienté par rapport aux réalités. Il y a des jeunes qui veulent vraiment émettre des projets, mais qui rencontrent assez de difficultés. Il faudrait pour la rencontrer, peut-être. Pour la rencontrer, peut-être, ou bien les institutions qui travaillent à ce que le travail soit flexible. Il y a ces institutions, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de complexité. Si réellement on pourra redéfinir la charte de la jeunesse, la politique de la jeunesse, quel type de jeunes on souhaite avoir dans 10 ans au Togo. Et c'est aujourd'hui qu'on doit commencer par travailler, et ça part déjà par notre éducation, que ce soit à la maison et l'éducation qu'on reçoit à l'école. Il faudrait qu'on ait un système d'éducation qui permet à ce que chaque jeune, à la fin de son baccalauréat, peut sortir avec un potentiel, un talent inné et authentique qui va permettre aux jeunes de créer. Aujourd'hui, on a besoin d'une jeunesse qui crée qu'une jeunesse qui consomme. Super. Merci. Alors, Valère, on va faire le plus difficile avec toi. On va s'adresser au chef de l'État. Il est assez jeune, comme nous, et il nous suit certainement dans cette émission. Sinon, son équipe lui fera le retour en tant que jeune sociologue de formation, avoir le privilège aujourd'hui d'être sur ce plateau et de représenter des milliers de jeunes qui sont donc sur le territoire togolais. Quel serait ton mot à l'endroit du chef de l'État, son Excellence, Monsieur Faris Ozina Niasingbe? Merci, je suis vraiment très honoré de pouvoir lui adresser la parole. À son Excellence, comme tu l'as dit, il est aussi jeune comme nous et je crois qu'il maîtrise également nos réalités. Excellence, Monsieur le Président, nous croyons en vous et nous savons que vous pouvez amener ce pays très très loin. Nous sommes pratiquement 8 millions d'habitants et nous sommes une population assez jeune. Nous avons besoin plus de votre soutien. Parce qu'il y a pas mal de jeunes qui croupissent dans la misère. Il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de jeunes qui se battent jour et nuit, mais sans issue. Excellence, Monsieur le Président, nous espérons que vous fassiez davantage. Nous savons que vous avez déjà entamé un travail très profond là-dessus, mais nous voulons encore vous sentir que ce pays, d'ici 10 ans, d'ici 30 ans, soit vraiment l'Eldorado de plusieurs aussi d'étrangers qui viennent aussi, qui veulent visiter notre pays. Excellence, nous croyons à vous. Alors, aidez-nous à développer ce pays, ce pays tant magnifique, ce pays tant fier, ce pays assez magnifique et stratégique. Merci. Alors, vous avez tout compris, les jeunes se sont donc prononcés dans cette émission et donc nous sommes arrivés à la fin de cette toute première partie et nous retenons au travers de cette émission que la responsabilité, elle est partagée. En partie, nous, en tant que jeunes, nous avions notre part de travail à faire, ne pas forcément compter sur l'Occident, ne pas forcément se dire que l'ultime solution est donc de voyager à l'extérieur, mais aussi de travailler, de chercher, d'être diligent, d'être totalement déterminé et de se dire que oui, on peut également réussir ici. Et si je n'ai pas forcément les moyens de voyager sur l'extérieur, je peux également rester dans mon pays et réussir ma vie tout naturellement. Et si pour nous qui avons l'opportunité de voyager, on peut aller se faire former, on peut aller se faire renforcer et revenir pour construire notre pays, le Togo.
Nous finissons donc cette première partie de cette émission en encourageant donc toutes les jeunes qui nous suivent, tous les jeunes qui nous suivent dans cette émission, de rester diligents, de rester très très déterminés, de croire en notre pays, le Togo. Et nous lançons également ce cri d'alerte à tous les décideurs. En partant du chef de l'État de ce pays, nous lui disons simplement, Monsieur le Président, nous comptons sur vous. Nous savons que vous faites pas mal pour notre pays, le Togo, mais les jeunes ont tellement confiance, ont tellement envie de voir ce pays changer, voir ce pays à un autre niveau, comme nous pouvons voir aujourd'hui les États-Unis, le Canada, et nous pensons que ensemble nous pouvons construire ce pays. Si vous pouvez également faire appel à la jeunesse, faire confiance davantage à la jeunesse dans la prise de décision, dans la gestion des projets et dans la gestion de ce pays. C'est sur ces mots que nous mettons fin à cette première partie, et nous recevons notre invité dans cette seconde partie de l'émission. À très très bientôt. Nous recevons pour vous dans la deuxième partie de cette émission Madame Brali Kouduka Abiré. Elle est doctorante chercheuse à l'université de Poitiers. Elle est également entrepreneur sociale. Elle a créé un projet d'orientation des jeunes apprenants togolais depuis 2018. Nous en parlerons tout à l'heure. Et elle est également chargée de cours dans les universités du Togo. Madame Abiré, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui, malgré ton agenda assez chargé. Présentez-vous davantage à nos téléspectateurs. Comme vous l'avez dit, d'entrée de jeu, c'est Madame Brali Kouduka Abiré. Je suis chercheuse à l'université de Poitiers, entrepreneur social dans le domaine de l'éducation. Et parallèlement, initiatrice du site d'orientation, un site d'orientation togolais à l'endroit des jeunes apprenants, tous les jeunes apprenants. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours. Comment ça a été le parcours ? Le parcours, il n'a pas été, il n'a jamais été évident, comme pour tout le monde d'ailleurs. Mais j'ai eu un baccalauréat littéraire Accara. Donc après, au Togo. Oui, au Togo Accara. Oui, voilà, au Togo Accara. Après, je me suis battue dur pour avoir une bourse à l'université, enfin après le bac, mais cela n'a pas marché parce que pour d'autres raisons, pour des raisons certes conjoncturelles. Je pense qu'il y avait une affaire de série littéraire qui n'avait pas été prise en compte cette année-là. Donc je me suis dit ok, autant continuer, ne pas baisser les bras, continuer pas à travailler dur malgré tout. Et donc à l'université en troisième année, j'ai eu la chance alors d'avoir une bourse française à l'époque. Enfin, on peut le dire. Exactement, ici. Enfin. Et pour Rennes. Rennes à l'époque. Et donc c'était à Sciences Po. Okay. Sciences Po Rennes. Donc je suis allée à Sciences Po Rennes et depuis, ça fait, je dirais, 8-9 ans. Waouh! Oui, quand même, on en perd le compte avec le temps qu'on y est. Super. Alors, comment ça a été fait l'intégration une fois arrivé? Comment ça a été? Est-ce que ça a été un peu plus facile que prévu ou c'était compliqué au début? Comme tout début est compliqué. Et ce n'est pas du tout évident. Dans une logique, on se retrouve dans un nouveau pays avec une culture qui est différente de la nôtre, des mentalités qui sont différentes des nôtres. Donc, et surtout une couleur de peau, il faut le préciser. Parce que ce n'est pas aller au Bénin ou au Ghana ou au Burkina. Donc, surtout une couleur de peau différente. Donc, c'est vraiment beaucoup plus de challenge. Et je pense que ça a été vraiment à force de courage et de détermination qu'on tient le coup au quotidien. Parce que ce n'est jamais fini, en fait. Alors, dans la première partie de cette émission, Madame Abiré, on a beaucoup plus parlé aujourd'hui de ces jeunes-là qui rêvent pour la plupart d'aller en Occident, que ce soit d'aller continuer leurs études ou de partir simplement pour aller se chercher. Pour vous, quel est le motif? Qu'est-ce qui explique ça aujourd'hui qu'on veut quitter, laisser tout tomber ici, les parents, les amis et tout, pour aller se chercher? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Il y a plusieurs facteurs, pour être honnête, qui expliquent le fait qu'une personne veut quitter, comme vous le dites, son territoire, ses racines. Enfin, résumons ça ainsi, ses racines. Parce que ce n'est jamais facile, ce n'est pas une décision aisée
de se déraciner littéralement pour se dire qu'on va aller s'implanter ailleurs. C'est comme un arbre qui abandonne ses racines, qui dit écoutez, je vais aller dans la forêt d'à côté pour m'installer là-bas. Donc c'est une partie de soi qui part, ce n'est pas tout. Donc déjà, se dire qu'on va partir, il faut vraiment que les situations qui prévalent, cette décision soit quand même assez compliquée pour qu'on puisse décider de quitter chez soi. Et les facteurs, comme vous le dites, comme vous l'annoncez, les facteurs sont assez divers. Il y en a qui partent justement par envie de découvrir autre chose, ce qui est valable, parce qu'on est actuellement dans un monde de globalisation. Le monde est devenu actuellement un village. Planétaire. Un village planétaire. Et comme d'aucuns le diraient, un Chinois gagne sa vie au Togo, un Togolais gagne sa vie aux États-Unis, un Chinois, etc. Bon, comme vous voulez. C'est vraiment un melting pot, c'est vraiment des mouvements d'ensemble. Et chacun se dit, ok, j'ai une raison d'aller me chercher ailleurs. Et il se peut que ce soit à la recherche d'une vie meilleure. Ça peut être des problèmes politiques aussi qui font fuir les gens. Actuellement, des pays actuellement qui sont en guerre. Il y en a plein dans le monde qui sont en guerre et des personnes qui vivent des situations compliquées, qui sont obligées d'aller se chercher ailleurs. Et au-delà de ça, il y a ceux aussi qui sont une minorité, certes, mais qui ont certes tout ce qu'il faut sur place, mais qui ont juste envie de découvrir autre chose, de se lancer dans autre chose. Voilà. Alors, pour avoir passé plusieurs années, hein, au moins 9 ans, on peut le dire ainsi, à l'extérieur, est-ce que vous avez l'impression que la vie, elle est beaucoup plus facile de l'autre côté qu'ici? Parce que c'est quoi qu'on dise, très souvent, on prend l'Occident comme l'Eldorado, on a envie d'aller là-bas, c'est le paradis, c'est le rêve. C'est... Une fois qu'on quitte le pays, tous les parents se disent... Mon enfant est sauvé. C'est-à-dire que nous rentrons dans une phase de liberté, d'épanouissement total. Est-ce le cas? Ce serait cracher dans la soupe que de dire non. Ok. Que de dire que ce n'est pas avantageux. Que de dire que ce n'est pas parfois libérateur, comme vous le dites, pour les parents. Ce serait cracher dans la soupe parce que ce serait littéralement être hypocrite. Je ne vais pas verser dans ce jeu-là, mais je vais juste être assez honnête. Ok. Lorsqu'une personne quitte son village natal, son pays, etc., c'est d'abord, comme vous le dites, un cri de joie dans le village, dans le canton, dans le pays. On se dit, ah, voilà un des nôtres qui part. Et non seulement il part, mais on se dit que il ne part pas pour juste aller se balader. Il va pour faire quelque chose. Il va avec un plan donné. Ça, on reviendra en termes de catégorie des personnes qui partent. Ça dépend des personnes. Bien sûr. Ce n'est pas aussi facile pour celui qui part. Je me rappelle mon premier article en tant que blogueuse, mon tout premier article en 2017, je pense, ou 2018 si je ne me trompe pas. C'était le premier article. Le titre, l'intitulé, c'était « On m'avait dit que ce n'était qu'un simple voyage ». C'est cet article qui a lancé, je dirais, une carrière de blogueuse, une carrière de... Voilà, une présence sur les plateformes aujourd'hui. C'est cet article. Parce que ça me tenait à cœur à l'époque de relater ce que c'est que ce voyage-là, entre griffes. Parce que quand on part d'ici, on nous dit, oh, ce n'est qu'un simple voyage. C'est ce que mes parents m'ont dit, c'est ce que les amis m'ont dit. Écoute, ce n'est qu'un simple voyage de l'aéroport dans l'avion, à l'avion, sur place, et voilà, c'est fini. Et la vie continue. Cependant, ça c'est pour ceux qui sont restés en base arrière. Mais pour la personne ou les personnes qui partent, c'est toute une vie qui est chamboulée. Ce sont des croyances qui sont remises en cause. Ce sont des vies qui parfois ne se retrouvent même pas, on va être honnête. Il y a des personnes qui partent avec un baume au cœur, mais après un an ne se retrouvent plus jusqu'à la fin de leur vie. C'est aussi ça, hein? Oui. Parce que ça bouscule énormément tout ce en quoi vous avez cru jusqu'ici. Moi, je me considérais comme un être humain quand j'étais au Togo, tout simplement. Il a fallu que j'arrive en Europe pour me rendre compte que j'étais noire. Waouh.
En fait, c'est ça souvent la nuance. Là, quand on est entre nous, on ne se rend pas forcément compte de la différence qui peut, de cette différence de peau là, qui peut nous infliger douleur et frustration. Parce qu'on est juste des êtres humains là. Mais dès que vous voyagez, dès que vous arrivez dans un territoire, non seulement la culture, ce n'est même pas seulement une question de différence de peau, mais dès que la culture est différente, vous vous rendez alors littéralement compte que vous êtes étranger. Que vous êtes étranger à cette façon de vivre, à cette façon de penser, à cette façon d'être, à cette façon de se comporter. Et ce n'est pas évident à encaisser en tant qu'être humain. Le cerveau n'est pas... Et certes, on dit souvent que la plus grande capacité de l'homme est la capacité d'adaptation. C'est vrai. Mais cette capacité d'adaptation résulte d'un processus qui n'est pas sans douleur. Malheureusement, c'est ce qu'il faut qu'on sache, qui n'est pas sans douleur. On s'adapte certes, mais à quel prix à la fin? C'est un prix de, au prix des dépressions, au prix des manques, au prix des de la solitude, des douleurs affectives et tout ce qui va avec. Et ça, c'est ce que souvent ceux qui sont ici, ce dont ils ne se rendent pas compte. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux, quand on arrive sur place en se disant que je suis venu me chercher, ok, on commence par quoi? C'est aussi ça. C'est aussi ça. Parce que vous êtes sur un territoire peuplé des milliers d'habitants qui n'ont rien en commun avec vous. Vous commencez par quoi? Quand je suis à Lomé ou bien quand je suis au Togo, si je veux faire quelque chose, je sais souvent déjà par où commencer. C'est-à-dire déjà cette impression de maîtrise du terrain, de la situation, rassure. Mais vous êtes sur un territoire où vous ne maîtrisez absolument rien. Tout est étranger. Donc on commence par où? Si vous êtes là pour les études, grand bien vous fasse. Vous commencez, vous avez au moins un point de départ. Vous dites, ok, je suis là pour les études, je m'intéresse aux études jusqu'au bout, histoire de voir ce que ça va donner. Si vous êtes venu simplement par d'autres moyens, que je dis la mer, par exemple, pour ceux qui prennent la mer, ou d'autres personnes qui viennent juste avec des visas de tourisme, avec pour intention de rester plus longtemps, il faut vraiment se poser la question, mais ils sont allés là, qu'est-ce qu'ils vivent exactement? Comme par où ils ont commencé, par où ils commencent. Et ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas évident pour personne. C'est à coup de partage d'informations, à coup de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pleurs. Parce que n'oublions pas aussi qu'il y a le côté des papiers. Je vais l'appeler d'une façon profane comme ça, les papiers. Quand vous arrivez, c'est un combat. À partir du moment où vous n'êtes pas chez vous, vous devez avoir une autorisation qui vous permette de séjourner, d'être là en permanence. Donc, il faut se battre pour ça. Alors, je comprends en réalité que ce n'est pas du tout aisé. Ce n'est pas ce qu'on pense au début. Hein, quand, et beaucoup de personnes ne se préparent pas assez par manque d'informations avant peut-être de se lancer dans ces aventures. Exactement. Alors, est-ce que quelque part, on peut dire que beaucoup de personnes qui choisissent de voyager peuvent également réussir sur le continent, sinon au Togo? Est-ce qu'on peut réussir également? Et je vais peut-être plus loin pour dire que est-ce que ce n'est pas... certaines personnes n'ont pas forcément besoin de voyager pour pouvoir réussir leur carrière, pour réussir leur vie. Oui, je dirais... En fait, on est dans un monde des possibles. Okay. On est dans un monde des possibles, dans un monde où tout est possible quand, je dirais, qu'on s'en donne les moyens. Et si on tend soit un peu... On est un peu déterminé ou courageux face aux échecs. Déterminant plutôt dans ces activités. Et ce qui est important, ce n'est pas forcément de bouger d'un point A à un point B. Okay. Ça peut aider. Mais ce qui est important, c'est la vision qu'on a concernant soi-même. C'est important. Hein. C'est important. Qu'est-ce que tu projettes? Quelle est ta visualisation des choses te concernant? Je vous donne un exemple très simple. Moi, je suis partie parce que je voulais faire un doctorat en droit. Je voulais être... je voulais enseigner à l'université. J'avais des rêves plein la tête. Et très tôt, nous avons eu l'idée selon laquelle pour y arriver facilement, il fallait aller à l'étranger. Ok. Parce que c'est plus compliqué ici, il faut braver plusieurs épreuves, il faut vraiment... Mais là-bas, non seulement on a une facilité de document, d'accès à la documentation, tout ce qui va avec, etc. Donc c'est ce qu'on nous a vendu, on s'est dit ok. Mais aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que
Il y a des gens qui sont sur place et qui réalisent ces mêmes rêves. Okay. J'ai un aîné, je me rappelle en terminale, quand je n'ai pas pu obtenir de bourse, et j'étais très triste, qui m'avait dit, aujourd'hui c'est une personnalité de ce pays, okay. Il m'a dit, écoute ma petite sœur, moi je n'ai pas été à l'étranger avant de commencer ma carrière. Mais aujourd'hui, je comptabilise plus d'une centaine de pays à mon actif. Wow. En termes de visite, c'est ce qu'il m'a dit. Mais il n'a pas commencé comme nous, après la licence, parti à l'étranger, non. Il a commencé ici, au Togo. Mm-hmm. Il a commencé par travailler, etc. Et après, c'est au cours de ces différentes missions de travail sur le terrain, etc., que d'autres opportunités sont présentées. Il les a saisies à force de travail, à force de... Et il est parti. C'est comme ça que sa carrière a évolué. Okay. En fait, fondamentalement, il n'a pas basé sa carrière sur un parcours à l'étranger. Exactement. Mmh. Et il m'a dit, c'est ce qu'il m'avait dit. Et ça m'avait touché, ça me touche jusqu'alors. Malgré le fait que j'ai eu plus tard la chance de partir, aujourd'hui, ça me revient toujours en mémoire. Mmh. Et raison pour laquelle je suis là. Voilà, mmh. Disons ça, je suis dans mon pays natal actuellement, mmh. Et au lieu d'être à 100% ailleurs. Mmh. Et ça me trottine toujours dans la tête, je me dis, écoute, le Togo a besoin de personnes, a besoin de ses enfants. Les pays africains en général ont besoin de leurs enfants, et le problème n'est pas souvent de partir, parce que comme je l'ai dit au début, on a des Chinois au Togo, mmh. De la même manière qu'on a des Américains au Togo, mmh. Au Bénin, mmh. Tout le monde voyage. Mmh. En fait, le problème n'est pas de diaboliser, okay. Le fait de quitter son pays. Mmh. Ce n'est pas, je pense, c'est juste une fuite en avant. Mmh. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Okay. Qu'est-ce qu'on en fait après. Est-ce qu'on part dans quelle logique, mmh. Avec quelle idée, quel mindset, mmh. Quel mindset guide ce départ, mmh. Si c'est l'envie de se former, de développer qui on est, de développer ses acquis, mmh. Et d'en faire quelque chose d'important, mmh. Pour les autres, mmh. Pour son pays, etc. C'est un bon mindset. Super. Je n'ai pas envie de parler comme plusieurs aujourd'hui qui disent c'est chaud au pays, l'essentiel c'est de bouger, l'essentiel c'est de trouver une opportunité de partir de ce pays. Le reste, on s'en fout, on verra après. Alors Madame Abrali, vous êtes également en charge aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui le privilège de vous avoir au pays. Vous n'avez pas choisi de rester de l'autre côté, mais vous êtes rentrée au pays pour apporter un plus, notamment à cette jeunesse. Et vous êtes en charge d'un programme, est-ce que vous pouvez nous en parler davantage, un programme d'orientation qui déjà fait ses 1 an, hein. Félicitations déjà pour à vous pour ce parcours, dites-nous davantage sur le plateau. Déjà je vais apporter une toute petite nuance. Ok. Je suis là pour rester. Waouh. Waouh, ça mérite des ovations, vous êtes là pour rester carrément. Je suis là pour rester. Waouh. Je suis là pour rester parce que, bon, après, parce que je veux. J'avais déjà décidé de revenir rester avant même de partir. Mm-hmm. Je suis là quelques plusieurs années. Mm-hmm. Mais il y a eu des facteurs, bien sûr, je me suis mariée. Mm-hmm. Mon mari est ici à Lomé. Bon, c'est un facteur important. Hein, oui, un déterminant. Facteur déterminant, voilà. Mais après, disons la vérité, c'est parce que si tu n'envisages pas à long terme montrer... Tu ne vas pas choisir c'est de clair. Te marier c'est dans clair. Ton pays. C'est clair, voilà, c'est ça. Tu vas profiler d'autres horizons. Mm-hmm. Donc, ce parcours-là à faire qu'aujourd'hui, je suis sur place et j'essaie de me dévouer autant que je peux à cette jeunesse-là, mm. En termes de partage. Mm. Comme vous le dites, j'ai monté une plateforme d'orientation, okay. Parce que j'ai remarqué il y a plusieurs années de cela, 5 ans, qu'on avait un gros problème, comme on le dit aujourd'hui, s'il y a une fuite de cerveau, c'est qu'il n'y a pas peut-être assez de motivation. Okay. On ne les motive pas assez, mmh. On ne leur parle pas assez, mmh. On ne leur explique pas assez les enjeux. Donc je me suis dit, écoutez, on va mettre en place un projet qui permet aux jeunes de partager entre les aînés, mmh. Qui partagent avec les cadets, mmh. Des informations sur leur parcours, leur chemin professionnel, leur cheminement, mmh. Et tout ce qui va avec pour non seulement les motiver, mais leur donner les clés, mmh. Nécessaires à la réussite de leurs rêves. Mmh. Donc c'est ainsi qu'il y a 5 ans, j'ai créé l'association Level Up To Go. Okay.
qui s'est battu, il s'est débattu à travers des salons d'orientation sur le terrain, des séances d'information, des motivations sur les réseaux sociaux à travers ma personne et aussi mes activités. Et au-delà de ça, il y a l'année passée, comme vous le dites, j'ai décidé de digitaliser cela parce qu'on est à une ère de digitalisation. Donc je me suis dit, écoutez, pourquoi ne pas digitaliser ce projet ? Parce que je me suis rendu compte que ceux qui sont sur place, c'est eux qui bénéficient du projet. Ceux qui sont plus loin n'ont pas accès aux informations. Donc j'ai créé une plateforme, un site internet, www.mbkswiss.com, qui est aujourd'hui un hub qui réunit plusieurs types d'informations. Tant des bourses d'études à l'étranger, que ce soit en Afrique ou à l'extérieur de l'Afrique, qui réunit des articles sur des métiers avec ces professionnels-là, qui réunit aussi des conseils permanents pour la jeunesse dans leur parcours académique. Et qui aujourd'hui nous sommes en train de monter un système de mentorat qui permet aux aînés de justement prendre des filles sous leurs ailes pour la durée d'un an, leur expliquer certains enjeux, leur parler, etc. De telle sorte, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout est question de mindset. Même s'il faudrait, pour certaines spécialités qu'on n'a pas au Togo, il faut être honnête, il y a certaines spécialités, ce n'est pas le Togo seul. Dans tous les pays n'ont pas toutes les spécialités. C'est pour ça qu'il y a des Chinois même qui viennent se former sur certains trucs en Afrique. Exactement. Donc, tous les pays ne peuvent pas tout avoir. Donc, quand il n'y a pas de spécialité, c'est normal que vous puissiez quitter pour aller le faire ailleurs. Mais comme je l'ai dit au début, c'est le mindset avec lequel on part qui change. Dans le but, au-delà de toutes ces informations qu'on leur apporte, c'est de développer quand même un mindset qui va leur permettre plus tard de se dire qu'écoutez, on a du potentiel, il faut qu'on en fasse usage. Super. Est-ce que le programme est accessible à tout le monde ou il y a quand même, c'est catégorisé, il y a un certain nombre d'âge qui est requis ou tout le monde peut avoir accès à ce programme? Non, le programme est ouvert à tout le monde. Des 0 à 100 ans, à 120 ans, 130 ans. Et plus s'il le faut. Et plus s'il le faut. D'accord. Est-ce qu'il y a un numéro? Certainement, on est en train d'acheminer vers la fin de ce temps d'échange. Est-ce qu'il y a un contact? Et vous pouvez également nous rappeler donc ce site pour ceux qui sont vraiment curieux et qui veulent aller visiter. Oui, le numéro, c'est le 70. 228. Oui, 228-70-50-19. Et le site, c'est www.b comme BB. K comme voilà, et Waze en anglais chemin, W-A-Y-S.com. Donc c'est tout, c'est une plateforme ouverte. Voilà, tout le alors monde. Peut-être un dernier mot, un conseil pour tous ces jeunes qui nous écoutent dans cette émission, qui nous suivent plutôt dans cette émission et qui rêvent voyager, partir du pays, ou du moins ce qu'ils se disent, bah si c'est parce que Madame Brali elle a été et elle a fait tout son parcours peut-être là-bas, voilà, elle est en train même de préparer son doctorat, c'est pour ça que sur cette antenne elle est en train peut-être de nous décourager de ne pas voyager. Quel serait donc ton dernier mot en termes de conseils pour toute la jeunesse togolaise et africaine? Justement, un disclaimer, je ne décourage pas justement, je ne décourage pas. J'encourage justement à plus savoir ce qu'on fait. Je ne décourage pas. J'encourage à savoir pourquoi est-ce qu'on veut partir. Quelle est la vision derrière l'idée de départ? C'est ça le plus important. Et au-delà de ça, la jeunesse doit savoir que vous ayez les moyens ou les opportunités de partir ou pas, vous pouvez réussir. Super. C'est ça le plus important. Vous pouvez réussir. On a mon coup, le Congolais, je pense, qui a créé le premier smartphone là, qui a fait ses études au Congo, qui a créé le premier smartphone africain. Africain, aujourd'hui il est cité partout, etc. Il n'a pas eu besoin d'aller en Europe forcément pour le faire. Donc tout est question en fait de mindset et de se donner les moyens dans la chose. Aujourd'hui, nous les jeunes, voilà, je ne m'exclus pas, nous inscrivons dans une logique de fatalisme, de fatalité qui ne dit pas son nom. On se dit non, rien de bon ne peut sortir de notre pays, donc forcément il faut aller ailleurs, etc. Il faut, si on en a vraiment besoin, mais sinon, si on a les capacités nécessaires pour rester sur place et faire de son mieux et voyager après. Super. Parce que voyager, c'est une bonne chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est bon pour l'ouverture d'esprit, c'est bon pour se former, etc. Mais justement, qu'on puisse faire déjà de son mieux avant de se dire, il faut qu'on améliore
cela. Super. Donc, c'est l'idée générale pour tout le monde. Merci, hein, Madame Rali Abiré, hein, d'être passée chez nous. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. On se retrouvera certainement encore sur ce plateau, avec sur plaisir. D'autres termes pour continuer par inspirer à la jeunesse. Alors, vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission consacrée à la jeunesse. Et le thème, c'est partir à l'aventure, l'ultime solution. Nous retrouverons certainement dans les jours à venir pour continuer par vous inspirer dans cette merveilleuse émission consacrée à la jeunesse. D'ici là, portez-vous bien. À très très bientôt. Au revoir.